Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Donc, tout à l'heure, on sera en direct, mais d'abord, j'aimerais vous présenter cette bourse-là. Voilà, c'est une bourse de l'Université de Manitoba qui est au Canada. Donc, pour ceux qui veulent postuler à cette bourse, voilà, sachez que en ce qui concerne les documents, cela va dépendre de la faculté que vous allez choisir, voilà, dans cette université. Et ensuite, vous allez pouvoir postuler grâce à ces éléments-là. Voilà, maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que cette bourse, elle n'est pas totale. Cette bourse, elle est partielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez cette bourse, voilà, surtout, cette vidéo, ça concerne beaucoup, beaucoup ceux qui cherchent des admissions. Voilà. Donc, vous pouvez avoir une admission et avoir aussi une réduction ici. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils veulent forcément des bourses à 100%, j'aimerais vous dire que cette bourse, elle est à 80. Bon, je dirai pas le pourcentage, mais cette bourse, elle est vraiment partielle. Voilà. Donc, ils peuvent vous proposer, en fonction de de la qualité de votre dossier, vous proposer soit 60%, 50% ou bien 40%. Voilà. Donc, une fois que vous êtes ici, je vais faire une vidéo qui est un peu plus simple pour que tout le monde puisse postuler un peu plus rapidement. Une fois que vous êtes là, pour pouvoir voir si par exemple moi je pars pour faire la médecine ou bien les mathématiques, je vais voir d'abord quels sont les documents qui sont liés aux mathématiques, quels sont les documents que je dois apprêter pour pouvoir postuler. Donc vous venez là, find admission requirements and begin your application. Donc vous venez là et ici vous mettez par exemple si c'est mathématiques que vous voulez faire, vous changez, vous mettez mathématiques. Bon, je vais mettre science, ok, science. Ici, vous voyez, donc voici les éléments dont j'ai besoin. Si je veux faire l'entrée directe, voici ça. Si je veux l'entrée, je vais faire l'entrée de 2022, c'est-à-dire août 2022, voilà. Voilà, maintenant, entrée en avance, voilà ce que je dois envoyer. Donc, si je veux attendre pour l'entrée directe, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer là et voir un peu les documents dont tu as besoin de l'université, de ma filière, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir postuler à cette faculté. Ok, donc pour ceux actuellement, la date pour laquelle nous postulons, c'est quoi? C'est pas pour mars, c'est pour janvier 2022. Voilà, donc c'est pour l'hiver. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez voir ici quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler. Donc, ceux qui vont faire l'agriculture ou bien food science, voilà, l'agriculture ou bien food science, voici ça. Ceux qui veulent faire la faculté de l'art, moi j'ai choisi la faculté des sciences, donc je cherche faculté des sciences. Ok, faculté des sciences. Ici, voici la faculté des sciences. Donc, si je veux postuler, voici les éléments que je dois avoir pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir postuler. Vous comprenez? Donc, forcément, il y a un certificat en anglais, voilà. Et il y a le diplôme qui certifie que je suis bien en mathématiques et en biologie, en chimie et en physique. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que je dois avoir. Et une fois que j'ai ça maintenant, je peux aller chercher à postuler. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que vous devez traduire vos documents en anglais. Voilà, ça c'est primordial, c'est ce qui est bien. Donc, ceux qui n'ont pas traduit leurs documents en anglais, je vous conseille vivement de traduire vos documents en anglais parce que, quelle que soit l'université que vous allez postuler, vous avez au moins 80% de chances que ce soit une université qui demande des documents en anglais. Donc, on revient sur la page et si vous voyez ici, nous postulons pour ici, fall septembre, voilà. Donc nous postulons pour octobre, voilà. Et ici, deadline, c'est en octobre. Voilà, donc ça commence pour l'entrée de janvier, ce qui est là, winter. Ça commence en mai et ça se termine en octobre. Voilà, le 1er octobre. Donc, c'est là que nous sommes, voilà, et il y aura pour novembre qui termine en février. Donc c'est là que nous sommes. Donc une fois que c'est fini, qu'est-ce que vous faites? Vous allez maintenant commencer à chercher à postuler pour l'admission et la bourse. Voilà. Donc vous cliquez sur Start or Continue your applications. Donc vous allez aller là, voilà, et vous allez d'abord créer votre compte. Pour ceux qui ont déjà le compte, ils peuvent venir là. Pour ceux qui n'en ont pas, ils peuvent créer le compte. Ok, vous allez créer le compte ici.
Bon, ça, vous savez déjà comment ça se passe. Ici, c'est le mille. Ici, c'est le nom, le prénom. Ici, c'est le prénom. Ici, c'est la date de naissance ou quelque chose continue. Et il vous envoie là-bas. Donc, une fois que vous finissez ici, voilà, vous allez chercher, ils vont vous envoyer les éléments où vous allez avoir l'admission. Et lorsque vous allez avoir l'admission maintenant, vous allez repartir sur le site et vous allez voir là-bas, il y aura les types de bourses que vous devez utiliser pour pouvoir faire quoi? Pouvoir postuler à la bourse. Voilà. Je voulais juste vous montrer comment ça se passe. Voilà. Ce n'est pas pour postuler. Je voulais vous donner juste l'information pour ceux qui écrivent toujours des messages disant que je n'ai pas postulé. Ça, c'est une information que je vais vous donner. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ils postulent. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et puis, voilà. Donc, ici, par exemple, vous allez, par exemple, comme ce que je disais, vous allez ici. Voici les étapes qui sont là. Ici, voici les étapes. Voilà, vous allez chercher à pouvoir connaître les documents pour pouvoir faire l'inscription, pour avoir l'admission. Et lorsque vous avez l'admission, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant pouvoir postuler à la bourse. Et si vous venez par exemple ici, Find Heads and Awards, vous pouvez cliquer là. Vous allez voir que tous les éléments de bourse que vous voulez postuler se trouvent ici. Donc, une fois que vous avez l'admission, vous pouvez maintenant postuler pour la bourse. Voilà. Donc, ici, Search the Award Database, Programme Faculty Science, Extra. Ok. Financial Aid. Ici, je vais vous montrer l'aide financière que vous devez utiliser. You may also be looking to become an award donor. Ok. Donc, External Awards, Programme Faculty Science Specific Awards. Donc ici, par exemple, je peux cliquer là. Ok. Donc ici, voici toutes les facultés où vous pouvez avoir des réductions. Voilà. Donc ça va dépendre de ce que vous faites. Voilà. Donc si vous faites une faculté de sciences, vous allez cliquer sur sciences ou bien l'agriculture, vous allez cliquer sur l'agriculture. Voilà. Et donc, une fois que vous arrivez ici, voilà, The School of Agriculture, vous avez ici par exemple la faculté. Voilà, et si vous voulez aller sur le website, vous pouvez cliquer là. Vous allez sur le website, et lorsque vous allez aller sur le website, vous allez voir là-bas les types de bourses qu'ils leur proposent et puis comment est-ce qu'ils peuvent vous aider. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, et c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, si vous êtes intéressé, vous postulez. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire pour que je puisse essayer de vous répondre. Parce qu'il y a plusieurs types de bourses ici sur cette application. Il y a plusieurs types aussi de chemins. Il y a plusieurs types de facultés. Donc, si je veux expliquer, ça sera un peu plus long. C'était juste pour vous donner une information. Alors, je crois que l'information est faite. Maintenant, ceux qui veulent postuler, ils peuvent postuler. Et ceux qui veulent de l'aide aussi, ils peuvent nous contacter inbox. Ok, les gars, à plus. Et puis, tout à l'heure pour un direct. Et on y va les gars. Ты там уже всю ночь, ну давай уходи. Я говорю прочь, я говорю стой. Ты каждый раз срываешься и делаешь дестрой. Я говорю прочь из моей головы. Ты там уже всю ночь, ну давай уходи. Я говорю прочь, я говорю стой. Ты каждый раз срываешься и делаешь дестрой.